carbono neutrales. El miércoles 11 de diciembre será el día de la ambición climática. Convocamos a los gobiernos. Bonjour, chers internautes de votre site torchedumonde.com. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui ici à la COP25 dans le cadre de la conférence mondiale sur les changements climatiques qui se tient aujourd'hui à Madrid. Il a été transféré de Santiago où il devait se tenir, mais c'est en collaboration avec le Chili que le Royaume d'Espagne a accepté de recevoir cet événement majeur. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a eu un exposé des agendas, le déroulement de ces des activités qui doivent se faire aujourd'hui à Madrid, dans la grande salle de la Feria de IFEMA. Mais il faudra également retenir le plus important, le mot-clé, celui du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. M. Guterres a interpellé les gouvernants à œuvrer pour que cet objectif-là d'atteinte de cet objectif-là de réduire les émissions annuelles à 7,6% soit réellement effectif, mais soit une réussite. Il a également invité les gouvernants à honorer leur contribution nationale pour que la prise en charge des questions climatiques soit réellement effective, soit une réussite. L'autre élément à retenir, c'est que Madrid a bougé, a vibré au rythme de cette COP25 dans les stations de métro, dans les transports. Partout où on passe, il y a ce message-là qui parle de cet événement majeur, mais il y a ce message-là qui invite les populations à plus de responsabilité par rapport à la protection de l'environnement. Il ne s'agit plus d'une question de changement, mais il s'agit maintenant d'une question d'urgence à laquelle tout le monde doit apporter son concours, à laquelle tout le monde doit contribuer pour que cela soit réellement une réussite, pour que cela soit réellement une société sénégalaise. En attendant d'interpeller les autorités sénégalaises par rapport à ce qu'ils vont proposer aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils vont exposer au cours de ces deux semaines d'échanges et de travaux, nous vous proposerons également toutes les séances de travaux qui se dérouleront et vous donneront en temps réel tout ce qui se passera ici à Madrid dans le cadre de cette COP25, la conférence sur le climat 2019.